Alors, je suis en présence du champion senior au championnat ici à Hemmingford. Michel, félicitations. Merci beaucoup. Quel est l'effet saillant de trois journées? Ça a été trois journées d'ouvrage, mais j'ai pas fait beaucoup d'erreurs. C'est ce qui m'a permis de l'emporter, je pense. Aujourd'hui, on a joué dans des conditions assez difficiles. Il y a eu l'appui tout le temps. On peut dire que c'est du golf extrême. Alors, comment est-ce que tu t'es débrouillé dans ces conditions-là? Bien, hier, dans l'entrevue, j'ai dit que j'essayerais de jouer comme si on était jeudi à 5 heures quand je vais jouer ma ronde de fin de journée. Ça a marché pendant 10-11 trous. Bien, moins 2 le premier 9. Oui, c'est vraiment bien. Le premier 9. Puis, bon, j'ai fait un double bogey au 13, malheureusement, mais après ça, j'ai réussi à refaire des parts. Ça a bien été. Puis, il fallait essayer de limiter les erreurs, de composer avec les conditions qu'on avait aujourd'hui. Je pense que c'est une mission accomplie. Alors, c'est ton premier championnat provincial. Oui. Comment est-ce que tu peux décrire cet événement-là? Mon Dieu, c'est pas facile à décrire. On arrive à un moment donné, j'approche de 60 ans, puis on se demande quand est-ce qu'on accroche le sac, puis qu'on laisse tomber la compétition, parce que j'en fais de moins en moins, puis c'est plus lourd quand j'en fais. Mais bon, ça va peut-être me redonner un petit boost pour continuer avec l'examen encore. Donc, je suis chanceux d'avoir réalisé ça. Mais ça n'a pas été de la chance, j'ai bien joué. Et je suis privilégié, disons, c'est peut-être plus approprié comme terme, de rejoindre des noms quand même marquants sur la scène du golf du Québec. Alors là, la prochaine étape, c'est le championnat national à Vancouver. Oui, on va faire partie de l'équipe du Québec pour nous représenter. Oui. On va tout faire pour bien figurer. C'est supposé être un terrain exceptionnel qui est apparemment classé dans les 5 plus beaux au pays. Donc ça va être une expérience sans doute extraordinaire. Alors, encore une fois, merci. Félicitations. Merci beaucoup. Et bonne chance au championnat canadien. Merci.